annonce surprise ce matin à la une des journaux catalans. On retrouve notre bon vieux Neymar. Mundo Deportivo nous apprend que le Brésilien pourrait forcer son départ du PSG pour signer avec Barcelone. Il aurait parlé avec Nasser Al-Khelaifi, le président du club parisien, pour qu'il accepte de négocier avec les dirigeants du Barça. Il a même fixé un ultimatum. Si le 8 juillet, le dossier n'a toujours pas avancé, il agira par lui-même. Mais ce n'est pas tout. L'autre dossier catalan Sport annonce de son côté que le Ney va rompre le silence. Il attendrait la fin de la Copa América pour expliquer les motivations de sa décision de quitter Paris prématurément. Il parlera dans le but de faire avancer son grand retour au Camp Nou. Allez, on passe en Allemagne avec le journal Bild qui s'intéresse au mercato du Bayern Munich. Une enveloppe de 200 millions d'euros aurait été réservée pour recruter une superstar cet été. Et si le dossier Leroy Sané échoue, comme les négociations avec Manchester City semblent compliquées, ce serait Ousmane Dembélé qui serait visé en plan B. Un dossier qui pourrait être étroitement lié à ceux de Neymar et Griezmann, puisque si le Barça recrute autant, il ne pourra pas empiler les joueurs dans le secteur offensif. En Italie, on arrive enfin au dénouement du dossier Matthijs de Ligt. Le quotidien Tutto Sport, spécialiste de la Juventus, annonce un accord entre le club turinois et le prodige néerlandais. Un arrangement aurait été trouvé sur le salaire. À présent, son agent Mino Raiola devra convaincre l'Ajax Amsterdam d'accepter l'offre des Bianconeri. On rappelle que Moïse Keane pourrait être inclus dans la transaction. En tout cas, l'optimisme grandit à la Juventus pour conclure l'affaire dès cette semaine. Et l'autre gros dossier chaud des champions d'Italie, c'est le retour de Paul Pogba. Le Corriere dello Sport affirme que le sponsor Adidas est entré dans la danse et que les négociations ont décollé grâce à ça. La marque aux trois bandes est à la fois l'équipementier de Manchester United, de la Juventus et de l'international français. Et justement, Paul Pogba était dans le viseur du Real Madrid, alors les Madrilènes doivent trouver un plan B. Selon le journal espagnol Marca, l'option qui plaît le plus à Zinedine Zidane est celle menant au néerlandais Donny van de Beek. Le joueur de 22 ans pourrait coûter entre 60 et 70 millions d'euros et permettrait donc à Zizou d'oublier l'échec du recrutement de Pogba.